Salut à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de ce Let's Play sur WRC4. Aujourd'hui donc au programme c'est le rallye du Portugal. On avait fait une performance dont ça fait quelques jours, je sais plus combien de temps entre le 5e et ce 6e épisode que j'ai pu faire de WRC. Il me semble qu'on avait fini 4e, bon ça va, c'est pas trop mal. On s'en sort pas trop mal, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, dans cette saison. Alors, on va voir, est-ce qu'on va pouvoir faire mieux lors de ce rallye du Portugal? On va voir ça tout de suite. Première spéciale, donc. Ah oui, je me souviens, oui, je vous avais dit, il y a un passage qui est assez galère, là, dans ce rallye. Là, quand on doit passer entre des sortes de ballots de paille ou quelque chose comme ça. Bah, je vous ferai notifier qu'on y sera. Mis à part ce passage là, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres qui seront galères aussi. Bon, on va voir. Déjà, en espérant que cette première spéciale ne soit pas trop compliquée, voilà, qu'on puisse se mettre en jambes un petit peu, voilà, quoi, qu'on commence doucement, j'espère, on verra bien. Bon, à vrai dire, je me souviens plus trop du tracé de ce rallye en fait. Du coup, je vais un peu le redécouvrir. La rouge du Portugal est typique des surfaces rocailleuses de l'Algarve et recouvre un circuit périlleux et éprouvant. Les virages sans visibilité et les passages étroits dissimulent des dangers qu'il ne faut pas sous-estimer. Eh ben, ça promet encore. J'aime bien le commentateur qui fait à chaque fois l'introduction du rallye. Il a toujours les mots pour se mettre en confiance. Attention, on est parti. En 1, maintenant. 2, 3. Attention, 13, droite 3. Droite 6, puis gauche 2, et 3, droite 6, sur gauche 5, droite 2, et gauche 3, droite 5, reste à droite, gauche 4, sur droite 3, refaire, puis gauche 3, droite 4, reste au milieu, droite 5, long, et épingle gauche, 40. Épingle droite. Ah là là là. 4, c'est pas évident. 40, hein. Épingle gauche. 3, 6. Sur gauche 5. Long. 3, 2. S'accorde. Sur gauche 2. Et droite 2. Ouh. Ah, j'ai voulu prendre un petit risque, mais bon. Merde, je fais deux fois la même connerie. Ah, ça y est, ça commence. Droite 2, sur gauche 4, et droite 4, tour, droite 5, dans l'eau, puis gauche 4, refaire, reste au milieu. Ouais, ça bien marqué l'effet d'eau, là, tu vois rien. Et droite 3, gauche 5, sur droite 2, puis gauche 2, sur droite 2, gauche 3, refaire. Ah putain, merde. Puis gauche 2, sur droite 2. Gauche 3, droite 4, gauche 2, long, et droite 2, tour, reste au milieu, dans l'eau, droite 5, sur gauche 2, et droite 2. Putain, je voyais plus rien. je voyais plus rien, je savais plus où était là. Là pour le coup, là, au rallye précédent, là, on avait pas l'effet d'eau, là, ça y est. Même si là, vous voyez que ce n'est pas super bien fait, mais malgré tout, c'est quand même, enfin, je veux dire, assez présent pour que ça soit dérangeant sur le pilotage. Droite 4, et épingle gauche, 1, et 40. Merde. J'aurais pu arriver plus vite en fait. Droite 4, et droite 3, épingle gauche, 1, et 40, épingle droite, 1, pas corps, gauche 4, refaire, et droite 2, travail extérieur, 40, attention, 13, sur gauche 3, gauche 3, sur droite 4, refaire, et gauche 2, épingle droite, 1,
arrière extérieur. 40, gauche 5, sur droite 4, 60, tour, droite 3, étroit, sur gauche, wow. Droite 3, étroit, 2, droite 4, et il passe de gauche. Hey, ça va? Putain, c'est n'importe quoi là. Ouais, je parle pas beaucoup là parce que je cherche vraiment à bien faire. Hein, je cherche vraiment à faire un bon coup de casque, bon français. Et pas de gauche. Voilà. Et pas de droite. Voilà. Caillou intérieur. Droite 3. Ah, mais peut-être pas, mais je vais me remettre en main. Oh, c'est le dernier flashback là. J'ai pas intérêt à déconner. Gauche 4. Droite 3. Et pas de gauche. Oh merde! Oh, je me suis loupé à la fin! Oh fuck! J'ai tapé, je sais pas trop ce que c'était, un rocher je crois. Oh dommage, j'étais deuxième, je passe troisième. J'ai bousillé mon turbo en plus, j'ai vu. Ah, c'est vraiment pas facile, hein. Il faut... On va dire, en fait, c'est pas comme si je roulais sur de la glace quoi, mais enfin mais presque quoi, je veux dire c'est... en fait là on est sur une surface où la voiture vraiment elle part assez facilement, elle glisse comme s'il n'y avait pas beaucoup d'adhérence quoi, en fait je ressens pas trop la voiture quoi. Alors là vous voyez que là quand je me concentre, merde, il faut appuyer sur entrée quand tu veux le clavier, vous voyez que quand je parle pas, que je suis vraiment concentré, j'arrive à mieux piloter. Bon, sauf heureusement avec ce qui s'est passé à la fin, et je sens que j'arriverai pas à faire une super perf sur ce deuxième spécial, sur ce deuxième spécial là, parce que j'ai vu vite fait les dégâts que je me suis pris au moment où j'ai tapé le rocher là, au coup de fin, et à taper sur le turbo, et là ça a quand même bien donné la voiture en fait. Gauche 4 et droite 4, sur gauche 2, tour, droite 5, sur gauche 5, referme 3, sur droite 3, gauche 2, d'accord, sur droite, long, 40, oh, je l'ai trop mal là, c'est un fondement. 40, gauche 2, sur droite 3, épingle de gauche, pas à main, épingle de droite, pas à main. Gauche 5, gauche 3, fait, là, hein. Sur droite 3, oh putain, 11e temps. Gauche 2, sur droite 3, et gauche 5. Droite 2, et gauche 2, droite 6, sur gauche 6, et droite 2, pas tort. Gauche 5, et droite 5, gauche 3, long, dans l'eau, et droite 4, 40. Ah, la bug, enfin la bug, la flotte qui a rebugué, moi qui perds du temps, 40, reste à droite, gauche 3, droite 3, puis gauche 6, sur droite 3, et gauche 3, sur droite 4, croisement gauche, à travers son taille, et gauche 3, ouais, épingle droite, sur épingle gauche, 40, et 3, sur gauche 2, 13 et 3, ouvre, sur épingle droite, c'est vérifié. Oh. J'arrive à taper, bon là j'ai perdu beaucoup de temps, là je sens tellement qu'on vient de faire là, c'est à chaque fois qu'il y a des galères en fait. Croisement gauche, bam, droite 4, gauche 4, et droite 2, pas corde. Deuxième temps, bon on se maintient quelque part. Gauche 3, long, droite 3, quelle perte de merde que je suis en train de faire. Là c'est clairement c'est très français là. Ah pourquoi j'ai dit le frein, non il y en avait pas besoin, merde. Ah bah là c'est terminé à la rebugger, ah non ça y est c'est réparé. Bah vous voyez que là le manque de performance est personnellement dû en fait au fait que j'ai bousillé le turbo en fait. Là j'ai le moteur qui fonctionne mais en fait un peu comment dire, c'est plus la relance du turbo en fait. Droite 5, attention, saut, dans l'eau, épingle droite, et 40, droite 3, sur gauche 4. Tellement j'aurais pu avoir toute la puissance du moteur et tout avec le turbo,
sûr que j'aurais pu pas le même faire. Comme à la première spéciale. Le but, ça va être surtout de limiter les dégâts en fait. Sur gauche 4, et droite 3. Gauche 4, referme. Sur épingle gauche. Droite 2, ouvre. Et 40. Gauche 3, saut. Sur droite 3, et gauche 4. Droite 4, referme 2, et gauche 3. 40, sur arrivée. Oh putain, il a galéré sur la relance, dans la dernière accélération, il a galéré un peu, là, ça a fait un truc, ça... On pensait que la voiture voulait pas repartir, quoi. Du coup, là, je suis remonté, on va dire, c'était quoi, 13ème à un moment, j'avais fait remonter jusqu'à 8ème place, dommage, c'était bien, mais je rechute de nouveau, Ah, c'est exaspérant, putain. J'aurais pu faire une bonne perf, là, sur la première spéciale, j'avais fait, quoi, 3ème, alors qu'à un moment, j'étais 2ème, même. Ah, je suis déçu. Une nouvelle fois, déçu de ma piètre performance, encore. De mes erreurs, putain, et tous les trucs qu'il faut réparer. Échappement, Mister Couleur. Il nous reste, quoi, 28 minutes encore, qu'est-ce qu'on peut réparer ? Pour préparer ce qui est quand même important. Bon, on va réparer les roues aussi, ça nous laisse 22 minutes encore. La boîte de vitesse, le turbo. Le turbo tout à l'heure, il était dans le rouge, là il est passé à l'orange. Je sais pas trop lequel réparer, parce que la boîte de vitesse aussi peut être important quand même. Je vais réparer le turbo. Ouais, je vais réparer le turbo. Ah, il me reste 8 minutes encore, peut-on réparer un truc? Non. En 8 minutes, je crois qu'on peut plus rien réparer. Je fais ça. Une seconde de pénalité. Ouais, non. non. C'est quoi, 22h si je mets ça? Ouais, non. On va rester sur le turbo, on peut rien réparer de plus, alors on va laisser comme ça, oui je valide. Putain, clavier de merde, oui, allez, putain. Ouais, je vous avais dit, mon clavier il déconne, je crois que c'est les piles en fait, quoi, les piles doivent être pratiquement mortes. Donc deuxième journée de ce rallye du Portugal. Ouais, je suis désolé, même là je dis plus grand chose entre les spéciales, parce que en fait, peut-être que vous l'entendez à ma voix, mais je suis dégoûté en fait. Quand surtout si j'ai vu j'avais fait une bonne perf sur la première spéciale et je vois que tout est ruiné après une erreur à la con et que ça m'a même coûté la deuxième spéciale. Ah fuck quoi, vraiment. Ah, j'espère que j'arriverai à faire une meilleure perf là sur cette deuxième journée. Il faut parce que là. La bonne perf est obligatoire. Et on va récupérer la 4ème place maintenant. Gauche 4, long. Droite 4, et passe de gauche. Wow. Droite 4. Oh la reprise. Putain, j'ai failli perdre la voiture encore une fois. Et 40. Et passe de droite. Raccord. Gauche 4. Referme. Sur 13, et droite 2, travail extérieur. Ah là, pilote mal. Pilote très mal. Sur gauche 4, quelle fois. Gauche 3, sur droite 4, referme. Et gauche 2, pas à main. Et page droite, pas à main. Arrière extérieur. 40, gauche 5, sur droite 4, 60, tourne, droite 2, et 3, sur gauche 2, droite 4. On va partir de quoi, la même connerie, hein, c'est bon. Épingle droite, caillou intérieur, droite 3, et gauche 4, sur droite 4, gauche 4, sur droite 2, épingle gauche, 60, droite 3, sur gauche 4, épingle droite, J'aurais dû ralentir. Putain, trop dans l'intérieur, c'est trop coupé. Droite 3,
Repère. Barrière extérieure. Sur épingle droite. Bam. Pas tort. Épingle gauche. J'ai escaladé en fait la bosse. Bon là j'ai vraiment très très mal pris cet enchaînement là. Putain, il y a des épingles qui s'enchaînent. En plus c'est dur hein. Je veux dire c'est un peu en désert, c'est ballonné en ballon. Oui c'est ça c'est le mot. C'est le mot. Donc c'est plus que je me crache sur le montgolfière maintenant. Ah mon montgolfière. Je me pose des questions de ouf alors que je roule à plus de 100 km/h. J'ai défoncé quelques trucs au passage, mais ça, ce n'est pas bien important. Les panneaux comme ça. Non, c'est juste histoire d'indiquer que si tu continues, tu tombes quoi. Mais bon, ça va, nous sommes des pilotes de rallye. Nous savons où se trouvent les limites de tracé. Enfin, tout ça, mais bon, c'est vrai que moi, des fois quand je dis je vois plus la route. Ouais bon, c'est mon copilote n'est pas trop en confiance là. Gauche 2, sur épingle droite, ouf. Ah putain, ça a tapé. Droite 4, sur gauche 3. Droite 4, sur gauche 4. Et droite 2, long. Septième, ouais. On fait le yo-yo entre la 6ème et la 8ème place, je crois. Là, elle a changé de main ici. 40, plutôt, et gauche 6. 13, et gauche 5, sur épingle droite. Voilà, 40, droite 4, sur arrivée. Oh, espérons qu'on les remonté au moins 6ème quoi, mais... Ah, 5ème. Bon, ça va, ça va. Du coup, ouais... On va peut-être gagner quelques places, mais à peine quoi. Non, même pas, même pas. On est trop loin. Putain, on est trop loin. Oh là là. Le classement, quand même, c'est 6ème, mon lob, irrattrapable. Là, voilà où j'y ai. Ah putain, quand je vois les écarts de temps qu'il y a par contre sur ce rallye là, oh, je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste, là, celui-là ce sera pas notre rallye. Hein. On avait fait quoi 5ème à monter au Monte Carlo, 4ème en Suède, encore 4ème au Mexique. Là je sens que on va finir 6ème là. Sur ce rallye là on va finir 6ème ou si vraiment on a de la chance et éventuellement on gagnera une place, on sera 5ème. 2 km2 c'est même pas encore la power stage, on va en arc, tant mieux. Mais là, il faut qu'on ait encore qu'à la deuxième journée. Oui, il y en a encore qu'à la deuxième journée. Ouais, espérons qu'on puisse gagner un petit peu de temps sur cette bataille, mais bon, elle est un peu courte hein, pour espérer gagner vraiment du temps. Arrière extérieur et épingle gauche, très étroit, gauche 3, tout fond, referme, épingle droite, bam, épingle gauche, bam, arrière extérieur, droite 6, gauche 4, 60, tour, épingle droite, bam, gauche 3, sur droite 3, long, gauche 3, et droite 2, sur 13, gauche 3, travail extérieur et vérifier. Oh. J'avais tapé le truc et ça m'a fait perdre du temps. Du coup on va reprendre un peu avant. Putain, c'était pire. Oh. J'aurais peut-être pas dû. Peut-être pas dû remonter. Gauche 3 et droite 2 sur 13. Gauche 3. Je me mets souvent sur deux roues, j'aime ça. Ouais, je suis encore plus fort que Ken Block. Moi je fais les cascades en même temps que je fais mes rallyes. Reste au milieu, n'empêche que je gagne du temps. Gauche 2,
épingle gauche. Rame. Barrière extérieure. Épingle droite. Rame. 40. Écho 4. Écho 6. Sur épingle droite. Rame. Gauche 4. Tour. Ouais, c'est pas, je suis parti quand même loin à la sortie de ces garages. Sur épingle droite, bravo. Gauche 4, tour. 40. Ah, j'ai perdu du temps, dommage. Bravo. Putain. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive là? 40, 3-3, et épingle gauche, bravo. 3-3, referme. Ah, c'était n'importe quoi cette épingle de la partie. Épingle gauche. Et 40. 3-5. Sur coup 5. Sur arrivée. Dites-moi que c'est bon. Dites-moi que je passe premier. Oh, je perds du temps, je passe troisième. Merde. Et juste tout près, hein, j'étais pas loin d'y revenir encore une fois, mais c'est un problème. Depuis le rallye précédent, là, depuis le mec qui est grave en forme, Hirvonen, là, il est vraiment méchant, là. Hirvonen, il est en train de rattraper les Volkswagen. C'est incroyable, bon. De toute manière, Hirvonen, je crois qu'on va pas le rattraper sur ce rallye, donc moi, je vais me battre avec Neville pour gagner la 5ème place. Ah, dommage, pourtant... En fait, c'est sur ce rallye-là, encore, ça va, j'arrive à l'appréhender encore, en fait, dans son ensemble. Mais le problème, c'est que il y a quand même certains virages comme ça qui te prennent par surprise, tu perds du temps. Puis moi aussi, des fois, j'utilise mes flashbacks alors que je devrais pas, parce que je suis un peu trop tatillon quand je rate, ou je percute juste une barrière, ou je rate correctement une trajectoire. Là, normalement, on devrait avoir le temps de tout réparer, je pense. Pratiquement. Les roues se sont réparées toutes seules entre temps. Bravo. Tac, tac, tac. J'aurai une seconde de pénalité, je pense. 110 secondes. Ah non, ça va, ça passe. Ça passe. Eh ben, on répare tout. Parce que pénalité de rallye, j'en ai aucune, malgré que j'ai empiété une minute en plus. Bah, c'est génial. C'est génial. Du coup, dernière journée de ce rallye. De de ce rallye du Portugal, en espérant qu'on puisse au moins récupérer Neville, pour lui récupérer la 5ème place, je veux dire. Enfin, là, ça va être long parce que, enfin, je crois, là, cette spéciale là, ouais, c'est ce qui me semblait, elle sera longue. Je sais pas, du coup, vu que la spéciale précédente elle faisait 2 km, je sais pas, celle de la Power Stage, je ferai combien. C'est peut-être la même en sortant d'air, d'ailleurs, qu'on a. Allez, on y va. Épingle droite. 3-3. Wow. Sur gauche 4. Referme. Droite 4. Droite 4. Sur gauche 2. Long. Referme. Droite 5. Sur gauche 4. Et droite 3. Gauche 4. Referme. Sur épingle gauche. Ouais, je m'appuie un petit peu contre les rebords. 40, gauche 4, saut, droite 3, et gauche 4, droite 4, referme 2, et gauche 3. Arrière intérieure. 40, gauche 4, sur droite 4, dans l'eau. Gauche 6, sur droite 6, et saut. Oh. Dans l'eau, et saut, et saut. Attention, gauche 3, avant extérieur, s'ouvre, arrière extérieur, saut. Et droite 4, dans l'eau, et droite 4, épingle gauche, 14, épingle droite. Gauche 4 et 40, épingle droite, arrière extérieur et épingle gauche, 13 et 3, gauche 3, coupon, referme, épingle droite, épingle gauche, arrière extérieur, droite 6, gauche 4, 60, tour,
épingle droite, mur extérieur, gauche 3, sur droite 4, long, gauche 4, et droite 4, sur 13, gauche 4, ravin extérieur. Ah putain! Le fait d'avoir légèrement tapé la barrière, ça. Sur 13, gauche 4, extérieur, épingle gauche, caillou intérieur. Wow. Putain, là c'est moi. Ah, j'ai pas su la trouver. Gauche 3, sur droite 2, puis gauche 3. Merde, il faut pas que j'y quitte mes places là dès le début, hein, ça va être chaud. Hein. Sur droite 2, puis gauche 3, 40, tour, gauche 5, sur droite 4, épingle gauche, arrière extérieur, droite 2, et gauche 3. Attention, arrière extérieur, droite 4, reste au milieu, referme, sur 13, et 40, gauche 2, sur droite 5, épingle gauche, arrière extérieur, épingle droite, 40, et gauche 4, et gauche 6, sur épingle droite, gauche 4, tour, 40, droite 4, et épingle gauche. Droite 3. Referme. Travail extérieur. Ah, j'ai un peu foiré. Sur droite 4. L'épingle précédente. Épingle gauche. Et 40. Droite 5. Sur gauche 5. Et 40. Sur pont. Et droite 5. Sur gauche 5. Attention. Épingle droite. Gauche 6. Sur droite 6. Et gauche 3. Droite 3, sort, gauche 6, 40, dans l'eau, on peut taper, sur droite 3, referme, gauche 5, referme 3, sur droite 3. Wow, putain! Gauche 6, sur droite 5, puis gauche 2, referme. Droite 5, et gauche 6, 40, reste au milieu, et droite 5, gauche 5, dans l'eau. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah ouais, j'ai compris, j'ai roulé sur une pierre ou une sorte de bol, c'est un obstacle. Va-t'en dire, parfaitement. Referme 3, sur droite 3, gauche 2, s'accorde, sur droite 6, long, 40. Épingle droite. 40. Gauche 3. Sur droite 4. Épingle gauche. C'est quand même très bonne ligne. Il y a bien pareil les plus fortes. Gauche 5. Gauche 3. Sur droite 3. Gauche 3. Sur droite 4. Et gauche 5. Droite 3. Quelques flots, pas grave. Referme. Droite 6. Sur gauche 6. Et droite 2, pas corde. Gauche 5, et droite 5. Gauche 3. Vers du temps maintenant, dommage. Et droite 4. 40. Droite 3. Oh putain, mais je savais que je l'ai vu, mais après quoi, après tout seulement. 3. Sur gauche 3. 40. Reste à droite. Gauche 3. Et droite 3. Gauche 6, sur droite 3, et gauche 3, sur droite 4, gauche 4, à travers le portail, et gauche 3, épingle droite, sur épingle gauche, 40, et 3, sur gauche 2, très étroit. C'est bon, c'est là que je vais tout perdre, parce que je gère pas ce passage-là, parce que je gère pas ce passage-là, je vais tout perdre ici, merde. Gauche 3, c'est vérifié. Putain! Oh, voyez tout le temps que j'ai perdu là, j'ai même pas réussi d'être vraiment, j'ai juste essayé de passer dessus. Gauche 3, gauche 4, sur droite 4, et gauche 3, pas corde. Droite 4, sur gauche 4, et droite 2, pas corde. Gauche 3, long. Sur droite 4, et gauche 4, droite 4, sur gauche 3,
étroit, 80. Saut, dans l'eau, 8 tours, dans l'eau. Droite 3, mur extérieur, sur gauche 4, puis droite 4, on voit plus rien. Sur gauche 5, referme, referme 3, et 40. Droite 3, long, sur gauche 3, long, 40, sur arrivée. Alors est-ce qu'on va finir en tête? Eh oui, on y arrive. Oh, de peu alors, hein, parce que 1 seconde 32. Oh, yes, au moins, ouais, au moins, sur une spéciale, on aura réussi à avoir le meilleur temps. Et en plus, ça a été sur la spéciale la plus longue du rallye, en plus. Oh, quelque part, je suis content, je suis fier de ma perte, même si ça n'a pas apporté grand-chose, quoi que. Ah, 15 secondes sur ma ville, peut-être que je serai revenu. Oh, Irvonen, beaucoup trop chaud, il est beaucoup trop chaud, Irvonen. Je suis remonté 4ème, oh yes. Oh, 4, oh, je suis content. Oh, là, Ogier et Neville, ils ont quand même perdu des places, genre, Neville, un petit peu surpris qu'il soit 6ème, mais surtout Ogier, mais toujours, en fait, derrière la Dvala, et depuis le rallye précédent, vraiment, là, c'est, enfin, je trouve que c'est surtout Irvonen, quoi, qui fait une perf incroyable, bon, et moi aussi, je m'en sors pas trop mal. Est-ce que j'arriverai à rattraper Irvonen? Ah, non, ça risque d'être dur, hein. Il va se passer, je sens, c'est surtout que je vais essayer de défendre ma quatrième place face à Ogier en fait. Voilà l'objectif de de la Power of Tête, hein, en fait, pour cette spéciale qui va clôturer ce rallye du Portugal. Vite fait, vu que apparemment l'homme parle de moi, voyons voir ce qu'il dit. Marassi pilote vraiment bien et j'essaie de maintenir la pression autant que possible. La tactique sera identique pour la prochaine. Enfin, on va dire à la Power Stage, hein. Special Stage, bon, Power Stage. Mesure combien ça ? Terre sableuse, 3,7 km. Bon, elle n'est pas excessivement longue, mais elle n'est pas totalement courte non plus, quoi. 3,7 km, on peut faire la différence. Irvonen, ça va être dur de le rattraper, mais sur une distance d'approximativement 4 km, il va falloir réussir à tenir face à Ogier pour au moins avoir cette 4ème place pour ne pas faire moins pire, enfin pour pas faire plus pire, pardon, que les résultats qu'on a obtenus au précédent rallye. Pour l'instant, je pilote bien quand même, hein. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que là, pour l'instant, ça le fait. Alors en même temps, avec la flotte, là, c'est vraiment dur quand même de voir où est-ce qu'on arrive après. Perd du temps, merde. Ah ouais, là on va faire en sortant l'air, là, par contre. Gauche 5, sur droite 3, droitement gauche, attention, raccord, à travers portail. Putain, ah c'est dans l'autre sens. Droite 2, sur épingle gauche, puis gauche 2, sur épingle droite, 40, et 3, c'est risqué, épingle droite, et épingle gauche. Oh, ça va. Gauche 4, sur droite 3. Gauche 3,
Oh, j'ai perdu du sang quand même. Ah, putain. Ça passe pour attaquer maintenant. 3 sur 3 4 On est arrivé avant même qu'il puisse m'indiquer mon copilote. Et du coup, genre, on a fait le meilleur temps, mais je veux savoir l'écart. 1 seconde 18, on a perdu un tout petit peu de temps à la fin, mais on a réussi à garder comme suffisamment de marge pour finir donc cette power stage. En fait, ben, on aura fait les deux dernières spéciales. En gros, tous les spéciales de la dernière journée, on les aura tous finis en tête, en fait. Ah, putain, mais à chaque fois, en fait, j'arrive à faire les... Enfin, vous aurez remarqué, sur certains rallyes, j'arrive à faire les bonnes pertes, mais elles viennent qu'à la fin du rallye. J'aurais dû les faire, en fait, au début. Ah, putain. Ça me rend dingue quand je fais des trucs comme ça, quoi. C'est... Pourquoi je n'arrive pas à faire ça avant, quoi, au début du rallye? Bon, au moins, quand même, on a réussi à remonter un petit peu, j'espère, au classement... Enfin, au classement du rallye. Regarde, il y a eu des abandons, apparemment il y en a pas eu. Lob, Hirvonen, Ogier. Je pense que je suis devant Ogier. Je pense que je suis devant Ogier. Je voulais dire, si j'avais éventuellement rattrapé l'autre Volkswagen, je sais plus si c'était la Zala ou Hirvonen qui est devant. En fait, finalement, non, je me suis juste rapproché, mais j'ai pas réussi à les doubler. Ah, dommage. Quatrième une nouvelle fois, mais encore tout juste, hein, tout près du podium. On se rapproche, on finira par l'accrocher ce podium, on y arrivera. Je sais pas quand, mais ce n'est qu'une question de temps. Du coup, je regarde un petit peu les temps des arrivées. Dani Sordo, ouais, Neville qui super, hein, Hirvonen, par contre, qui se déchaîne là, Hirvonen, je pense, va me dépasser au général. Hein. On va voir ça tout de suite, donc classement général, et ouais, c'est ce qui me semblait. Et même pire que ça, non. Comment c'est possible? Même Ogier m'a... Ben bon. Ah non, attendez. C'est peut-être parce que... Ouais. Non, en fait, j'étais quatrième, juste derrière Ogier. En fait, non. Je suis toujours derrière Ogier, mais c'est juste que Hirvonen, c'est lui qui nous a rattrapé nous tous. Hirvonen est troisième ex aequo avec Sébastien Ogier. C'est quand même... Ouais, moi je suis pas loin, et ça va être très serré quand même, en fait, entre Hirvonen, Ogier et moi. Neville, il commence à se faire un peu distancé, mais là, il y a un bon groupe là. Hirvonen, Ogier et moi, on sent que ça va bien splitter quand même. On sent que ça va bien splitter, on voit que je faisais pratiquement le rallye avec clairement un bout du pare-choc qui frottait le sol, mais bon, ça nous a pas empêché de faire les meilleurs temps des spéciales de cette dernière journée. Bon, voilà, ce sera donc une quatrième place, encore une fois, à l'arrivée de ce rallye du Portugal. Et aussi que on a chuté à la cinquième place au général. Ça commence à devenir chaud entre Hirvonen, Ogier et moi-même. On verra comment cela se décantera au prochain rallye, donc qui est le rallye d'Argentine. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous au prochain rallye. Salut tout le monde.